les gens, c'est Lunatix. Comment allez-vous? Moi, ça va super. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui passera pas sur ma chaîne personnelle, mais sur ma nouvelle chaîne de team, la FTW. Donc voilà, donc un grand merci à FTW Skyrix qui m'a recruté dans la FTW. Un grand merci à toi, mec. Donc voilà, donc je vais vite fait vous introduire le gameplay. Donc c'est une double KM à la Remington en or silencieux, chasseur grande capacité. Sur la map Octane en éclair, donc sachant que ma double KM, ma première KM que j'ai réalisée là sur pour ce gameplay était en express en 2020, plus précisément exactement, ouais, en 2020, donc plutôt pas mal, hein, en plus en éclair les gars, donc c'est pas évident, c'est parce que les double KM sur YouTube se font quasiment tout le temps en domination, et moi j'ai réussi à la faire en éclair. Parce que les gars, là, vous pouvez voir les gars, je ne suis pas sur mon compte personnel, parce que mon compte personnel c'est Lunatic tiré du milieu HD, mais ça je crois que vous en foutez un peu. Donc là, j'étais sur le compte de mon frère, parce que mon frère, il a une maison, il a 25 ans, mais ça je crois que vous en foutez un peu. Donc voilà, donc il m'a invité à dormir chez lui, donc j'étais dormir chez lui, j'ai pris mon avion média, parce que, j'ai joué toute la nuit, on a joué toute la nuit chez lui. J'ai décidé de prendre mon avion média, ramener chez lui, le brancher et tout. Et c'est pour ça que là, exactement, je vous ai ramené une double KM. Bon, voilà, voilà. Donc, on a grave digué comme des gros porcs, mais on s'en fout. Donc, voilà, donc. Les gars, pour réaliser une double KM, c'est sûr qu'il faut des vieux alliés en face. Parce que voilà, si vous avez des bons alliés, ça risque d'être un peu chaud. Ensuite, je crois que j'ai réalisé cette double KM un peu grâce à lui, parce que chez lui, oui, il y a la fibre optique, donc je crois que c'est un peu grâce à ça que m'a réalisé à faire ces double KM, parce que comme vous pourrez voir dans le gameplay par la suite, je vais enchaîner des turns, donc je crois que ça, grâce à la fibre optique. Donc sans lui, je crois, sans qu'il y aurait la fibre optique, je crois que j'aurais jamais réalisé cette double KM. Donc voilà, donc les gars, j'ai vite fait vous introduire, vous introduire le gameplay, ça j'ai bien fait. J'ai vite fait, vous parler de moi, de ma chaîne et tout. Donc moi les gars, c'est Lunatic HD in-game, IRL Quentin je m'appelle, j'ai 14 ans, voilà. Donc les gars, sur ma chaîne les gars, vous pourriez voir des gameplays performants. Donc voilà, donc j'espère que les abonnés de la FTW viendront sur ma chaîne, et pourquoi pas aller vous abonner si vous aimez ça. Donc les gars, je veux des abonnés actifs, hein, je veux pas des abonnés inactifs, parce que c'est pour être si c'est pour vous abonner et ne jamais regarder mes vidéos, ça sert strictement à rien de vous abonner. Donc voilà, donc je crois que j'ai un peu tout dit sur moi, hein. Donc les gars, sur ma chaîne, vous allez, comme je vous l'ai dit, des gameplay performances, des lives et prochainement du fun. Donc voilà, donc je crois que les gars, je vais vous laisser en musique parce que le gameplay dure 7 minutes. Et là, je suis déjà 3 minutes 32 commentaires. Donc les gars, je crois que je vais vous laisser en bonne petite musique. Donc voilà, donc j'espère que le gameplay vous plaira et que ma chaîne vous plaira et que mes prochains gameplays sur la chaîne de FTW vous plairont. Donc allez, sur ce, moi je vous dis peace, ciao, c'était Lunatic.
Salut tout le monde, c'est Noobie et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et un tout nouveau commentary, les gars. Donc je vais vite fait présenter le gameplay. Donc c'est une petite partie dans laquelle j'ai réalisé 180 kills, les gars. Donc en domination hardcore, parce que bon, c'est pas de la démo, c'est vachement plus difficile en hardcore. Donc bien évidemment j'étais en support, hein, mais j'avais des alliés qui m'aidaient, voilà, qui bloquaient les spawns. Donc voilà, dans ce gameplay, donc j'étais sur la map Red à la N94, donc avec le camouflage bleu, le nouveau, qui vient sortir sur PS3, les gars, parce que sur Xbox ça fait un moment qu'il est sorti. Donc au passage, je fais une petite dédicace à mon ami Führer, donc c'est un abonné, qui m'a passé 20€ PSN, donc c'est grâce à lui que j'ai pu acheter ces camouflages. Donc je vais peut-être envoyer cette vidéo à plusieurs chaînes communautaires, donc déjà la Play Geek TV, et après je ne sais pas, les gars, on verra bien. Donc je vais commencer par attaquer le sujet de la vidéo. Donc je l'ai intitulé les différents points faibles et les points forts sur les plusieurs Call of Duty. Donc j'ai choisi MW3, Black Ops 2 et Call of Duty Ghost. Donc on va commencer par MW3. Donc on va commencer par les points faibles. Donc je trouve que sur MW3, on va dire que pour moi les points faibles c'est les armes cheatées, les gars. Donc telles que la MP7, l'ACR ou l'UMP 45, hein, pour préciser. Et la connexion, les gars, parce que moi il faut savoir que j'avais vraiment une connexion de merde sur MW3. Donc je sais pas si ça vient de moi ou du jeu. En tout cas, selon moi, la connexion n'était pas fameuse. Il y avait beaucoup quand même de migration des autres. Donc après on va passer au point fort. Donc moi je trouve quand même que la santé était vraiment bien équilibrée sur ce jeu. Donc la santé et la vie, quoi. Moi je trouvais que c'était vraiment pas mal. Et le sniper aussi, donc voilà, le sniper, donc vraiment beaucoup de joueurs qui se sont fait démarquer par ce jeu, enfin grâce à ce jeu plutôt, au sniper. Donc voilà, des excellents joueurs tels que Wartek qui est rentré dans la phase, bon voilà, on va pas en citer d'autres. Donc voilà les gars, on va passer maintenant sur Black Ops 2. Donc moi je peux parler de la connexion. Donc d'abord les points faibles, la connexion, c'est vraiment catastrophique, voilà, migration des autres, tout ça, mais à chaque partie c'était la catastrophe. Donc maintenant ça va un peu mieux depuis qu'ils ont mis quelques mises à jour et tout, mais c'est vraiment catastrophique, pour moi quoi, la connexion. Donc après on va parler de la communauté dans les points faibles. Donc moi la communauté c'est tout ce qui est rage kit. Voilà, donc il y a deux sortes de communautés, je vous en parlerai un peu plus tard dans le commentary. Donc voilà, tout ce qui est rage kit, les gars, dans le jeu, c'est vraiment incroyable. Donc après, je peux comprendre que, parce que là, vraiment, un micro, le tsar, tout ça, c'est vraiment pas facile. On peut dire que c'est facile vraiment à obtenir. Donc voilà. Après, on peut mettre dans les points forts de ce Black Ops 2, donc les équilibres des armes. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup d'armes qui sont vraiment variées dans le jeu, et ce qui est vraiment bien. Vraiment agréable à jouer Black Ops 2, parce que voilà, il y a vraiment pas mal d'armes qu'on peut utiliser dans laquelle ils sont vraiment très puissantes. Donc après voilà, selon les armes, l'arme est faite pour jouer de loin ou de près, après à vous de gérer vos déplacements. Et moi je trouve que c'est vraiment intéressant parce qu'on peut jouer vraiment de beaucoup de manières différentes. Donc on va attaquer bon, sur le dernier, donc c'est le Call of Duty Ghost. Donc dans les points faibles, je mettrai la communauté bien évidemment, hein, les gars. Vous le savez tous, il y en a vraiment beaucoup de personnes qui ont arrêté Ghost, qui l'ont même revendu et même cassé pour certains, les gars. Donc bon, je l'ai pas cassé moi, hein, je l'ai même pas revendu pour l'instant. Donc la communauté est vraiment dégueulasse, donc tout ce qui est EI, donc voilà, je voulais en venir. Donc voilà, il y a deux sortes de communautés. Donc il y a la communauté Rage Kit de Black Ops 2, qui fait vraiment que Rage Kit, on peut pas tenir une partie sans Rage Kit. Et après la communauté de Ghost, donc EI, Camp, tout ça, c'est vraiment énervant, mais un point, c'est vraiment le Call of Duty qui a fait vraiment marquer, la Camp et le jeu vraiment dégueulasse. Donc voilà. Et je m'attarderai pas plus sur les points faibles. Et sur les points forts, voilà, la variété des armes et la connexion. Parce que vraiment, ce jeu m'a vraiment agréablement surpris par rapport à la connexion. C'est vrai que il y a vraiment pas beaucoup de migration des autres sur le jeu. Ça, ça fait vraiment extrêmement plaisir. Donc voilà, après moi, pour moi, la communauté dans un jeu, ça fait vraiment 75% du travail. Donc après, voilà, que je vous dise, les gars, s'il y a des campeurs, ben voilà, on peut rien y faire, hein.
la communauté elle est comme elle est, surtout les Espagnols. Moi je dis ça, je dis rien. Donc voilà les gars. Donc j'espère que le commentaire vous aura plu et que le gameplay vous aura plu. Donc vous inquiétez pas, à la fin de la vidéo je mettrai un petit screen du score à la fin, donc 180 pour vraiment bien le prouver. Donc merci aux potes qui me l'a refilé. Donc moi pour finir ce petit commentaire, je vais vous présenter ma chaîne YouTube pour les abonnés des chaînes communautaires s'ils m'acceptent. Donc je les remercie encore une fois s'ils m'acceptent quoi. Donc moi je fais propose du fun et du live les gars, tout en proposant des bons gameplays. Donc des gameplays full rush, des nucléaires, des puissants non létal, des puissants létal. Enfin les puissants létal ça sera rare, ça sera plus des 150 létal. Bon bref les gars, vous avez compris le principe. Donc si vous voulez voir ma chaîne, il n'y a pas de souci. Par contre soyez actifs les gars, voilà tout ce que je vous demande. Donc les gars, il y en est tout pour aujourd'hui. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye bye.